Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette d'aujourd'hui, je vous présente comment je fais ma sauce arachide avec feuilles d'ail accompagnée de son kabato. Voici le kabato ici. C'est la sauce d'ail ici. Deux combinaisons qui passent à merveille. Donc pour en savoir plus, on y va. Et là, comme ingrédient, j'aurai besoin de la pâte d'arachide faite maison. Je vais mettre la recette en bas d'infos là si vous voulez voir comment j'ai fait la pâte d'arachide. Et puis ici, les feuilles de dard séchées. Au passage, je fais un coucou à Soné, bon secret de Soné TV. C'est une youtubeuse aussi, c'est avec elle j'ai pu m'en procurer. Elle est en France. Elle vend. Donc, voici ça. Et puis, je vais faire ma sauce avec un peu de poulet. Et puis comme ingrédient aussi, j'ai eu de la tomate pâte, un peu de... Oh, Isaiah. Mon enfant là, il est fatigué. Un peu de... Ça, ce sont les grains de... On appelle ça déjà comment... À chaque fois, j'oublie. La tomate, oignon, et puis piment, les feuilles de soumara, maïs sec, crevettes sec, du sel, avec un cube d'assaisonnement fait maison. On y va. Donc ici dans ma casserole, je rajoute les morceaux de poulet. On fera une sauce arachide classique. Vous faites la sauce arachide normalement. Vous rajoutez les épices qui vous font envie. Et là, j'ai une petite marinade d'épices africaines. Je vais mettre la recette aussi en bas d'infos de comment je fais la marinade avec les oignons que j'ai découpés. Et puis ici, le concentré de tomates, du sel, du poivre, je crois que c'est une taille. Moi, mon enfant en cuisine à deux. Vraiment, c'est pas facile. Et je vais laisser le tout revenir. Ok, là, quand ma viande commençait à devenir tendre, je dis là, c'est grave. mon fils lance. Je vais rajouter de l'eau. Puis la pâte d'arachide. Je rajoute directement parce que c'est fait maison. Si c'est pas fait maison, je vais d'abord diluer la pâte d'arachide. Là, vous allez m'excuser aujourd'hui pour le bruit là-haut. Pendant que ma sauce a commencé à bouillir, je vais rajouter mes feuilles ici, puis les laver très bien à plusieurs épices, au cas où il y aurait du sable en bas. Ici, voici les feuilles de dard que j'ai bien nettoyées. J'ai rajouté de l'eau que je vais faire bouillir le tout. Ici, dans ma sauce, je vais rajouter oignons, tomates et puis piment. Mes légumes sont... Je vais retirer tomates, oignons, piment, puis les écraser avec un peu de soumara. Voici la mixture obtenue que je vais rajouter. Aussi, j'ai mes feuilles de dard qui sont déjà cuites. Si vous remarquez, j'ai pas donné de temps de cuisson parce que ça va dépendre de la quantité. Moi, j'ai laissé cette quantité là environ 30 à 40 minutes. Je vais bien rincer pour enlever le goût là, puis mixer ça grossièrement.
Quand ma sauce arachide est prête, je viens rajouter mes feuilles dedans à l'intérieur. Là, je vais laisser mijoter à petit feu pendant 30 minutes pour que les ingrédients puissent bien se mélanger, les deux sauces, je veux dire. Et là, petite astuce, si la sauce arachide est prête, que vous ne constatez pas encore qu'il y a de l'huile qui apparaît en surface, vous allez mettre à petit feu et prendre un peu, juste un peu d'eau. Asperger un peu là-dessus, vous verrez que dans 5 minutes, l'huile va sortir. Pardon, j'ai oublié mon insecte et crevette sec en poudre. Je vais rajouter. Ok, donc là, voici. Juste en 3 minutes, bon, 2 à 3 minutes, l'huile apparaît comme ça sur la sauce. On va laisser puis laisser pendant combien, 10 minutes encore et puis je vous reviens. Ok les amis, voici la sauce qui est prête. Ah, ici là nous on gère feuilles de dalle là-haut. Si c'est en Afrique là, si vous avez la possibilité d'en avoir en grande quantité, vous pouvez rajouter la quantité que vous voulez. Donc je vais dresser, on se dit à tout à l'heure. Yeah, voici le résultat de mon plat. Sauce arachide accompagné de kabato. Donc si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je mets en ligne une nouvelle recette. Pour ceux qui aiment, merci. Pour ceux qui n'aiment pas aussi, merci. Donc on se dit bye bye, à très bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye. Donc, je vais mettre la vidéo, l'intégralité de la vidéo de comment faire mon kabato. Vu que ça a été en accéléré, ça va s'afficher en petite fiche ou en bas d'un four. C'est trop bon. Waouh! Oh, c'est chaud. Pourquoi manger d'eau comme ça? Bye.